Alors, on se parle. Première balle sur le revers ou première balle slicée sur le coup droit extérieur. C'est une indication pour le partenaire du serveur pour protéger le couloir. Yannick n'a pas bien retourné hein, dans ce tie-break. Et avantage, je dirais, logique sur ce que l'on a vu. Ils avaient eu un break. Ils se sont fait reprendre ce break, mais avantage logique. 7-6 dans le premier set. Voilà le score. Le tour a été joué en 46 minutes. On a le temps maintenant de passer une petite page de publicité. A tout de suite. Sur le service, il est australien. Rios est au fond et là on se tait. Avec les bras en l'air, c'est vraiment le plus beau point de la journée pour l'instant, avec une victoire finalement de Rio, 6-4, 6-3, 6-3. Il n'en croit pas ses yeux, il a fallu qu'il court pour aller d'abord chercher cette volée et retourner, repartir de l'autre côté, croiser complètement avec ce lob et encore une volée très aérienne de son adversaire Stoltenberg. Là, il croise une nouvelle fois, regardez où va son adversaire, quasiment et le point gagnant ici de Rios, donc il s'impose. On breakait pour commencer ce deuxième set, il mène 2-1 et on est à égalité sur le service de Yannick Noah. Et on a vu un document, si Patrice, en regardant Rios, c'est qu'il avait l'esquisse d'un sourire, ce qui est quand même assez rarissime chez le Prix Citron, qui est toujours un garçon très bougon. On revient donc là avec un peu plus de sourire sur ce court et Noah qui essaie de défendre son service, qu'il défend très bien. Quand ils sont bien calés au filet, ils sont vraiment très très difficiles à passer. On a vu pour l'instant assez peu de lobes lâchés par Delattre et Tarango. Et là, Noah et le Comte sont très très présents au filet. Avantage pour Noah le Comte. C'est une balle pour mener 3-1 dans ce deuxième set. Voilà, il a gagné son service et là il a remonté vraiment de façon remarquable cette balle. C'était pas évident à faire parce que la balle a touché la bande, était très très près du filet. Tarango s'est avancé au maximum. Regardez, Noah trouve le moyen de réussir un lob. Et ça, c'est à force de faire des petits matchs de démonstration avec Barami, avec Nastase. On tente des coups impossibles et ben là, il joue tellement relâché, tellement décontracté, Yannick. Ce qui sera d'ailleurs ce soir sur scène, car il y a un concert de rock au Hard Rock Café avec Noah et tous ses copains. Mais il faut d'abord terminer ce double. Ah, Anaïs pour calmer un peu l'ambiance, lâché par Tarango. Il a changé sa façon de servir car tout à l'heure il était toujours menacé sur ses jeux de service. Tarango, il sert maintenant délibérément à l'extérieur sur le coup droit de Yannick en ouvrant le terrain. Et jeu blanc réussi par Tarango Delattre qui reviennent un petit peu au score. 3 jeux à 2. Au jeu précédent, ils avaient eu une balle de débreak sur le service de Noah. Il n'a pas pu en profiter. Voici Tarango qui a eu des petits problèmes, vous vous en souvenez peut-être à Wimbledon l'année dernière. Et Olivier Delattre qui a un petit peu perdu pied aussi dans le classement individuel, qui essaie de revenir. Il a eu une wildcard cette année ici dans le tournoi, mais il est éliminé au premier tour. Il s'entraîne tout comme Fabrice Santoro, que l'on salue. Je sais qu'il est très déçu de ne pas pouvoir jouer ces internationaux de France 96 avec...